notes de musique comme s'il en pleuvait, de tous les tons, de toutes les couleurs. Sur le front de mer, il y a une ambiance bon enfant. Une de ces soirées où le temps s'arrête dans le rythme des jambes et les battements de la vie. On vient pour écouter, bien sûr, pour flâner aussi, la nuit est douce, papeter à des couleurs vives, un enchantement partagé par toutes les générations. Je suis là depuis 3 semaines. J'ai passé 15 ans à Tahiti, je retrouve un papeté qui vit avec des jeunes qui ont la pêche et je trouve ça très très bien. Voilà, ça vaut largement une fête de la musique dans nos petits villages. Il y a beaucoup de chanteurs et puis c'est cool parce qu'on peut faire de la trottinette, du vélo, enfin c'est bien. Qu'est-ce que tu préfères comme style? Plus ce style-là, rock, tout ça. Je couvre les bancs, là, les brades. C'est le groupe au programme. Certains ont ressorti les partitions d'hier, un petit délice. Les Brades, une bande de copains qui, depuis l'adolescence, additionnent ensemble les bœufs. Comme une fantaisie, ils ont offert des moments de rock à un public conquis et connaisseur. Un nouveau, un nouveau musicien qui est venu, donc bien, et puis lui qui est un rocker depuis les années 60, quoi. Alors bon, on a changé un peu notre répertoire. Prenez votre pied. Ah oui, alors là, ben oui, c'est un peu une renaissance parce que ce sont des morceaux qu'on joue qui datent depuis plus de 20, 30, 40 ans même. Ouais, de beaux moments en famille ou entre amis. Hier soir, le front de mer scintillait de mille feux, le boulevard même s'envolait vers toutes les étoiles de la musique.